Bienvenue sur l'émission Life is Wonderful sur les ondes FM 7 à 9. Nous avons Coquette, Coquette qui souhaite passer une annonce. Bonjour Coquette. Bonjour à tous. Donc moi, comme on l'a dit, c'est Coquette. Voilà, moi je suis jeune, j'ai 7 mois, je suis dynamique et bien élevée. Je suis spécialisée dans la transformation des déchets organiques. Ah oui, vraiment, moi j'adore ça. J'en mange jusqu'à 150 kilos par an que je transforme environ en 250 œufs. Mais voilà, je suis à la recherche d'un gîte en ville. Hola, nous avons Gérard. Gérard qui souhaite réagir à cette annonce. Oui, tout à fait, tout à fait. Je cherche exactement ce type de petit animal qui pourrait réduire mon impact écologique au quotidien, réduire ma poubelle. J'ai lu récemment que nous produisons 66 kilos de déchets organiques. J'ai un jardin à proposer à Coquette. Un jardin, oui, oui, oui. Incroyable, et c'est encore un match de Life is Wonderful. Ils étaient définitivement faits pour se rencontrer. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Life is Wonderful est un tout nouveau concept. Life is Wonderful est le poulailler de vos rêves avec tous les services dont vous aurez besoin. Pour qui ? Les familles, les colocations, les entreprises, les écoles, les maisons de retraite et bien d'autres. Nous vous proposons trois packs complets, le S, le M et le XL, qui comprennent les poules, le guide, le poulailler sécurisé et pratique et ses accessoires. Et ce n'est pas tout, nous vous offrons le grain pour démarrer l'aventure. Vous l'avez compris, c'est un pack clé en main. Si vous en voulez plus, nous vous proposons tout un panel de services complémentaires comme la livraison, l'installation, l'entretien et un abonnement de grains mensuel. Le tout pensé dans une logique locale et durable. Pour battre de nos propres ailes, nous avons besoin de nous procurer un vélo cargo, des outils et d'acheter les matériaux de qualité pour la construction. Alors soutenez-nous! Hé hey Coquette, c'est encore loin Bruxelles? Non, non, on y est presque. Rendez-vous sur... Crowdfunding.